Hello! Welcome to another class of Science Wednesday. So we have seen that viruses can jump from animals to humans. Ce qu'on sait déjà. Les virus peuvent passer des animaux aux humains de différentes façons. Certains virus qui proviennent des animaux causeront de grands problèmes pour les humains, d'autres non. But there's also diseases that are not caused by viruses, but by bacteria. Uh-huh. And also these diseases can jump from animals to humans. So viruses are very small and they make us sick. Bacteria are very small and they make us sick. What's the difference? Les virus sont très petits et ils nous rendent malades. Les bactéries sont très petites et elles nous rendent malades. C'est quoi donc la différence entre un virus et une bactérie? Well, they are really similar in that sense, but the main difference, as we have already been seen in the past lessons, is that a bacteria is a cell, is alive, while a virus is not a cell, it doesn't have the same structure, and it's not alive. Que ce soit les virus ou les bactéries, les deux nous rendent malades. La différence principale est qu'une bactérie est une cellule et qu'elle est vivante. Un virus n'est pas une cellule et il n'est pas vivant. So we know that antibiotics are a cure that is used a lot for any kind of bacteria, bacterial infections. Les antibiotiques sont utilisés comme traitement pour les infections bactériennes. Exactly, for bacteria. But actually not for viruses. If we have an infection for a virus, we cannot use an antibiotic. Les antibiotiques ne fonctionnent pas sur les infections virales. And to see why don't we see a video? Pour comprendre pourquoi, on va regarder une vidéo. A bacteria is a cell. Une bactérie est une cellule. Different antibiotics attack different parts of the bacterial cell, intervening in the reproduction process of the bacteria. Différents antibiotiques s'attaquent à différentes parties de la cellule qui interviennent dans le processus de reproduction de la bactérie. Bacterial cells and human cells are not the same. Antibiotics only attack bacterial cells, so they will not harm other cells. Les cellules bactériennes et les cellules humaines ne sont pas pareilles. Les antibiotiques s'attaquent seulement aux cellules bactériennes. Elles ne vont pas s'attaquer aux autres cellules. The first discovered antibiotics is penicillin. Le premier antibiotique découvert est la pénicilline. Penicillin affects the cell wall of the bacterial cell. La pénicilline s'attaque à la membrane cellulaire de la cellule bactérienne. In order to reproduce, a cell needs to divide. Pour se reproduire, une cellule doit se diviser. To do this, they have to open their cell wall, divide, and then build their cell wall up again. Pour faire cela, elles doivent ouvrir leur membrane cellulaire, se diviser et reconstruire à nouveau leur membrane cellulaire. However, penicillin binds to some proteins that are essential for building up the cell wall and prevents the wall from closing. Cependant, la pénicilline s'attache à des protéines qui sont essentielles pour la construction de la membrane cellulaire et empêche donc la fermeture de cette membrane. The inner cell of the bacteria is now unprotected and the bacteria dies. Donc les composants internes de la bactérie ne sont plus protégés et la bactérie meurt. Viruses are not cells. Les virus ne sont pas des cellules. They're just a piece of DNA or RNA in a cover. Ils sont simplement des bouts d'ADN ou d'ARN dans une boîte. Antibiotics attack the processes of cell reproduction. Les antibiotiques s'attaquent au processus de reproduction cellulaire. As a virus is not a cell and cannot reproduce on its own, antibiotics cannot kill viruses. Comme un virus n'est pas une cellule et qu'il ne peut pas se reproduire par lui-même, les antibiotiques ne peuvent pas tuer les virus. So let's see what we learned today. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Une bactérie est un organisme à une cellule. Les bactéries peuvent causer des infections. Les antibiotiques peuvent tuer les bactéries. Un virus n'est pas la même chose qu'une bactérie. Un virus n'est pas une cellule. Les antibiotiques ne peuvent pas tuer les virus. All right, so that was it for today again. We hope you enjoyed it. And see you next time. Bye bye.